que les gens connaissent le bonheur absolu, mais le bonheur absolu va-t-il durer? Non, c'est une blague. Que les gens connaissent le bonheur absolu, ou que les gens soient seuls, en couple. Et puis évidemment, les gens s'intéressent au sort de la communauté kamite au niveau plus global, puisque une communauté qui va bien, c'est forcément une communauté où la cellule de base va bien. Et la cellule de base de la société kamite, mais c'est vrai pour toute société humaine, hein, là c'est pas du tout révolutionnaire ce que je dis, la cellule de base c'est le couple. Et c'est ce qui peut donner naissance à une entité plus large qui s'appelle la famille, mais au départ, la cellule de base c'est le couple. Face au menticide, donc le menticide est un terme qui a été popularisé par Bobby Wright. Donc j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, parce que ce que vous voyez aussi sur cette image, c'est le sigle de Afrocentricity International, et ce cours ne pourrait avoir lieu si effectivement Afrocentricity International n'existait pas. Afrocentricity International est une organisation qui a été créée il y a 4 ans et qui a pour but de réaliser l'unité des Africains dans le monde. Elle a des antennes en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Brésil, en Côte d'Ivoire, en Allemagne, aux États-Unis. Je ne vais pas citer tous les pays, il y a aussi le Canada, il y a aussi le Cameroun, il y a deux bureaux d'Afrocentricité internationale ou Afrocentricité internationale, un à Yaoundé et un autre à Douala, et évidemment en France et dans un ou deux autres pays que j'ai peut-être oublié. Bien sûr il y a la Guadeloupe, bien sûr il y a la Martinique, tous ces pays comptent une représentation d'Afrocentricité internationale. Alors l'unité africaine, on en parle beaucoup, d'associations en parlent, et c'est quelque chose dont on parle depuis l'époque de Marcus Garvey, et même depuis l'époque de Benoît-Louis Dubois. Il y a eu des grands congrès panafricains dans l'histoire du panafricanisme, et l'un des fondateurs de Afrocentricité internationale, le Sech Molefi Asante, dit que la prise de conscience précède la possibilité d'unité. Parce que comme le dit souvent Amma Mazama, le panafricanisme est intéressant parce qu'il promeut l'unité de tous les Africains. Mais quel genre de panafricanisme allons-nous faire? Allons-nous faire un panafricanisme islamique, un panafricanisme marxiste ou un panafricanisme chrétien ou... Ce qui compte aussi et avant tout, c'est bien sûr le contenu. Et c'est pour ça que l'afrocentricité, qui part du principe que les Africains sont éloignés de leur centre culturel et spirituel, doivent se réapproprier leur héritage culturel, philosophique, pour marcher non plus en rang dispersé, mais en rang serré, à condition, bien sûr, de partager une vision commune. Voilà. C'est pour cela que le panafricanisme a fait de grandes choses, mais c'est pour cela aussi que le panafricanisme, par moments, a échoué dans son histoire, parce qu'il y avait un manque au niveau du contenu. L'intention était bonne, mais il y avait un manque au niveau du contenu. Et bien évidemment, à partir du moment où on est afrocentrique, on est forcément aussi panafricain. Ça coule de soi. Alors je reviens à ce sujet du couple kamite face au menticide. Est-ce que quelqu'un parmi vous, et si c'est le cas, levez la main, connaît ce mot de kamite? Parce que pour nous, nous l'employons depuis quelques années et nous semble tellement évident, mais c'est peut-être un peu présomptueux. C'est pas si évident que ça, oui, frère? Ben oui. Je t'écoute. Tu vois la définition? Oui. Homme noir, ça veut dire deux choses. Homme noir et terre noire. Homme noir et terre noire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que, effectivement, le mot kamite nous vient de quelle langue, frère? On appelle le médunétaire. Oui, 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 c'est ça, c'est les médunétaires. Le médunétaire, ça veut dire en sikam, la langue de l'Égypte antique, de Kemet, justement. Ça veut dire parole du démiurge. Donc parole du démiurge ou parole du créateur. Parce que le mot néter, c'est le créateur. Et médu, c'est parole au pluriel.
Et c'est comme ça, en fait, que les Africains de la période pharaonique appelaient leur écriture. Ils appelaient leur écriture Mélénicienne. Les paroles du début, les hiéroglyphes nous viennent du grec. Et hiéroglyphes signifient, à partir de la langue grecque, hieros glyphen, les caractères sacrés sculptés. C'est mieux de faire référence à notre propre langue pour décrire notre univers culturel de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendu. Paroles du démiurge, c'est des paroles qui sont forcément sacrées. Et kamit signifie donc effectivement l'homme et la femme, kemit, donc de kemet, quand il y a le bout de charbon brûlé, et puis ensuite il y a le déterminatif de l'homme et de la femme. Il sait qu'on parle d'un peuple. Quand ça s'écrit Kemet avec toujours le bout de charbon brûlé, mais ensuite le déterminatif de la cité, du pays, ça veut dire pays noir, comme on dirait aujourd'hui Afrique noire. Mais originellement, c'est toute l'Afrique qui est noire. Donc le nord de l'Afrique a été envahi par les Arabes musulmans, puis par d'autres peuples bien avant eux, les Romains. Et évidemment, une population très métissée a pu émerger à ce moment-là en Afrique du Nord. Mais au départ, l'Afrique, c'est toute l'Afrique qui est kamite, en fait, au départ. Y compris l'Égypte. Y compris l'Égypte, au départ. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le terme menticide? Et si oui, levez la main et vous pouvez vous essayer une définition. Oui, merci. Moi, je prononce Mental Side. Oui, c'est en anglais. Mental Side. Mental Side, Mental Side. Oui, c'est ça. En fait, c'est tuer le fait de tuer l'esprit. Oui. L'esprit des gens. Oui, c'est ça. Le menticide, c'est un terme qui a été popularisé par le docteur Bobby E. Wright, Bobby Eugene Wright, qui, dans son livre La personnalité raciale du psychopathe, on parle du menticide, peut-être même dans d'autres écrits, hein, pas seulement dans ce livre, et dit effectivement que le menticide, ou mentesage, c'est le meurtre de l'esprit d'un peuple. Parce qu'à partir du moment où l'esprit d'un peuple est mort, mis en servitude, effectivement, ce peuple va développer des comportements qui peuvent être suicidaires, forcément. Parce qu'on n'est pas que de la viande en mouvement, hein. Un être humain n'est pas que de la viande en mouvement. Un être humain est corps et esprit. Voilà, tout simplement. Bon, je vois qu'il y a des notions qui sont déjà connues. Ça va nous permettre peut-être d'avancer pour cette suite du cours. Alors, le cours interactif, c'est nouveau sans doute pour beaucoup de personnes. Un cours interactif, c'est un cours où le savoir est construit par tout le monde. Donc le savoir peut se construire de façon collective. Et là, effectivement, on a un peu... Qu'est-ce qui caractérise cette image? Qu'est-ce qui ressort de façon très forte quand vous voyez cette image, au premier abord, sans vraiment trop réfléchir? Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui veulent s'exprimer. Oui, passez. L'unité, oui. Autre chose? La solidarité. Pourquoi? Et où est-ce qu'il regarde? Vers la terre. En fait, ils se regardent les uns les autres. Et vous voyez que personne n'est particulièrement... Il n'y a personne qui se détache, il y a comme une harmonie. Et il y a une forme de zénitude, ils se regardent les uns les autres, et comme ça, le savoir peut circuler. Et vous avez remarqué que nous sommes en arc de cercle. Et dans la culture Kami, le cercle est quelque chose de très important. J'ai lu dans un livre du Sèche Molivia Santé, l'afrocentricité, il dit que si un architecte construit une maison qui s'inspire de la culture Kami, il va faire en sorte que les pièces soient rondes, que le cercle prédomine. Parce que comme ça, l'énergie va passer de façon plus positive. Si vous habitez une maison, un appartement où toutes les pièces sont carrées ou rectangles, j'en sais quelque chose, l'énergie passe. Mais
vous avez du mal à ressentir cette énergie positive. Donc le cercle est très important chez nous. Alors évidemment, le cours interactif a des règles. Et, évidemment, donc c'est les règles, bah, c'est que pour parler, il faut lever la main, il faut que la parole soit sollicitée, lever la main, et effectivement à partir de là, la parole est accordée, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas, on peut s'exprimer de la façon la plus libre, et on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui est proposé. Donc heureusement. Donc on peut passer à la suite. Oui. Alors, ce cours est dédié à Francis Cress Welsing. Francis Cress Welsing était... ben, je n'en dirai pas plus, peut-être que certains d'entre vous la connaissent de réputation. Oui, sœur. Oui, c'est l'auteur du livre The Assist Papers. Oui. Exactement. De quoi s'agit-il? Ben, c'est les dossiers, on va dire les dossiers d'Isis. Les dossiers d'Isis. Et elle parle en fait de pas mal du symbolisme en fait des choses. Et elle parle de pas mal de choses. Les féminisations de l'homme noir. Tous les symboles en fait. C'est beaucoup sur les symboles. Le fait que ce qu'on appelle les locodermes ont des gènes récessifs et c'est ce qui entraîne leur comportement vis-à-vis de l'autre. Ah oui, donc vous l'avez lu en entier? Oui. Ah, bah c'est bien. C'est bien. Alors, oui, effectivement, Frances Cress Welsing est une psychiatre africaine-américaine et elle est la mère de la théorie de Cress. La théorie de Cress, qui porte son nom, elle s'appelle Frances Cress Welsing. La théorie de Cress, c'est la théorie de la confrontation des couleurs. Alors, de quoi s'agit-il? Comme le disait aussi un grand enseignant, c'est le docteur W.E.B. Dubois, il disait que le XXe siècle, et je crois qu'au XXIe siècle, on en est encore là, sera le problème du XXe siècle sera le problème de séparation des couleurs. Des couleurs de l'humanité. Alors, est-ce que les différences de couleurs sont un problème en soi? Bien sûr que non. Bien sûr que ce n'est pas un problème en soi. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel humain qui existent sont dans la nature. Donc, il n'y a rien, a priori, d'aberrant. Par contre, il y a un problème qui est récurrent et qui pose problème à la majorité de l'humanité. C'est effectivement, tu l'as dit, ma sœur, c'est le fait que ceux qui se définissent comme blancs se sont rendus compte... notamment même à l'époque de Christophe Colomb, une époque assez récente, où ils ont redécouvert un peu la navigation au long cours, certaines techniques qu'ils avaient perdues depuis l'Antiquité, qu'ils ont retrouvées, ils ont découvert que la majorité de la population mondiale était noire, marron, jaune, et qu'en fait, ils constituaient eux-mêmes une minorité. Et de façon consciente et inconsciente, ceux qui cherchent à endiguer, à arrêter, à stopper, c'est leur annihilation génétique. Alors, je vais prendre un exemple vraiment très terre-à-terre. Moi-même, je suis de mère européenne et de père africain. Et mon épouse, la sœur est tombée, est une africaine aussi, d'Afrique centrale. Et nous avons une fille qui est Seychelles. Et en l'espace de deux générations, le phénotype européen disparaît. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour les Européens. Dans un monde sans discrimination raciale, sans génocide, ils vont continuer à exister en tant qu'êtres humains. Donc leur humanité sur plusieurs générations ne sera jamais mise en cause. Ils continueront à être des êtres humains, qu'ils soient tranquilles. Par contre, ils seront nettement plus colorés dans un monde normal, sans discrimination raciale, sans génocide, sans virus créé en laboratoire, etc. Et c'est ça qu'ils cherchent, de façon consciente ou inconsciente, à empêcher. Donc, comme nous sommes dans un jeu qui est un peu un jeu d'échecs, il y a les marionnettistes et les marionnettes. Alors, certains parmi les Européens sont juste des marionnettes et ils appliquent ce qu'ils ont appris depuis leur enfance, avec beaucoup d'énergie et de panique, sans comprendre les règles du jeu. Ceux qui ont créé les règles, qui organisent le monde tel qu'il est, savent quand même ce qu'ils font, mais ils ont toujours cette peur panique. Alors que doivent faire
Que doit faire la majorité de la population mondiale pour prendre ce que ce signe, c'est s'organiser pour mettre un terme à cette folie humaine qui consiste à agresser systématiquement la majeure partie de l'humanité sous prétexte que celle-ci ne serait pas blanche. Et évidemment, dans l'agressivité psychologique et matérielle de l'Occident à notre encontre et à l'encontre des peuples non-blancs, de la majorité de la population mondiale, effectivement, la cellule de base qui en coupe, d'un point de vue idéologique, est particulièrement visée. Justement, est-ce une réalité ou un fantasme? Est-ce que le couple est réellement, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, bien sûr, est-ce que le couple est réellement visé parce que Obama est président des États-Unis d'Amérique, il n'est pas le coderme. Pendant longtemps, Taubira a été ministre de la Justice en France, donc nous sommes en train de parler de paranoïa caucasienne. Apparemment, les choses vont bien pour nous en Occident. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une réalité ou un fantasme, le fait que la cellule de base de la famille africaine soit visée le couple? En plus, Barack Obama est en couple avec Michelle Obama. Il est président des États-Unis, tout va bien, finalement. Qu'en pensez-vous? Oui, ça. Non, c'est pas un fantasme. En fait, chez les Africains, la base, ce qu'on appellerait une entreprise, elle commence par la famille. En fait, la cellule familiale, c'est le centre, l'épicentre de tout. Oui. Et le fait de la diviser, c'est déjà en fait l'affaiblir, et donc après pouvoir y pénétrer et puis créer de la destruction. Oui, alors c'est vrai d'un point de vue théorique, enfin ça tient la route ce que tu dis d'un point de vue théorique, bien sûr, mais pourrais-tu choisir un exemple pour l'illustrer? Par exemple, aux États-Unis, depuis très 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 longtemps, enfin, je ne sais pas, pour partir à l'esclavage, mais on peut observer de nos jours que la cellule familiale est complètement dissoute, que les hommes, généralement très jeunes, très tôt, sont envoyés en prison. Les femmes sont, entre guillemets, en fait, on écarte les hommes et les femmes en permettant aux femmes d'accéder. Je vais recommencer. Donc en fait, je pense qu'il y a plein de choses dans ma tête du coup qui viennent et du coup ça s'embrouille. Donc en fait, souvent, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes hommes sont mis en prison, les femmes se retrouvent seules avec les enfants et ce sont elles qui éduquent les enfants. Donc sans une figure masculine, ça crée déjà une problématique par rapport à l'éducation des enfants. Et du coup, il y a une séparation des deux qui font que souvent, les femmes en veulent aux hommes, et du coup, ça crée des conflits. Après, on essaie de, on va dire, quelque part par rapport aux études, de privilégier la femme par rapport à l'homme. Donc, souvent, les femmes noires ont plus accès à des études supérieures. Je mets des guillemets parce que j'ai une autre vision par rapport à ça. Elles ont accès à des études supérieures, ce qui n'est pas le cas des hommes noirs généralement. En fait, et du coup, il y a une sorte de mise en avant de la femme noire et un rabaissement de l'homme noir qui crée des conflits entre nous parce qu'il n'y a plus d'égalité. Et est-ce que quelqu'un a un complément à ajouter ou... Oui, frère je vais inaugurer quelque chose. Hein. Ouais. C'est que à chaque fois que vous intervenez, surtout la première fois, vous puissiez vous présenter. Ah, ok. C'est un petit détail, mais c'est important. Ok. Quoi, prénom, Christopher. J'habite actuellement à Sevran. Oh, c'était juste le nom. Hein. Ok. ce que je fais dans la vie. Alors moi, ce que je veux dire, c'est la systématisation de l'homosexualité à toute échelle, ne serait-ce que déjà. Un système, ça veut dire que c'est organisé. Alors. C'est la systématisation, c'est clair. Par le pouvoir en place aux États-Unis. La télévision. Là, dernièrement, la théorie du genre. Mohamed porte une jupe, je crois, c'est ça? Il y a des livres comme ça qui se font. Ah oui, carrément. Non, mais c'est pour information. Et donc, dès l'enfance, on te sépare de ta mère, on t'emmène directement à ce qu'ils appellent l'école publique. Et en fait, à la base, plus tu es jeune, plus tu as besoin de tes parents pour pouvoir t'expliquer ce que le monde.
Mais en fait, on t'attrape et on te met directement au milieu de ça. Après, ta mère, elle, ce qu'elle fait, c'est que vu que ton père, soit il est au travail, soit il est en prison, eh bien, t'as une mère qui fait office de père et de mère. Ah, ça, on retrouve la... C'est ça, on est d'accord. La thèse de français. Voilà. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La féminisation de l'homme. Et tout simplement, parce que la mère, ce qu'elle va faire... Si la relation s'est mal passée avec le père, elle ne va pas vouloir que son fils soit, entre guillemets, un macho. Donc elle trouvera qu'il aura une image et un comportement plus doux si elle l'élève comme une fille. Ouais. Et il sera plus agressif envers les femmes, sauf qu'elle va l'élever comme une fille. Ouais, donc il va être doux dans la vie. Voire efféminé. Efféminé. Ouais, ben, c'est qu'il y a pas mal de mecs, d'hommes, garçons, hommes, voire qui deviennent gays. Bah oui, parce qu'il voit que tous les hommes qui sont véritablement hommes sont en prison. Il se dit, et que les femmes trouvent du travail plus facilement, accèdent à des diplômes qualifiants. Et que les homosexuels sont très très bien placés dans la société. En plus. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un choix. Moi, à mon échelle personnelle, dans ma vie avec les gens, j'ai vu que voilà, les mecs ils sont là. Je veux dire, quel que soit le business dans lequel tu rentres dans le textile, c'est eux qui contrôlent. Que tu veux ou non, les habits que tu portes, c'est un homosexuel qui l'a designé. Une personne qui déteste les femmes, c'est lui qui va te dire comment t'habiller. Moi, je trouve ça sympa. Oui, c'est problématique. Alors, ensuite, on va passer, on va reparler, on va reciter Frances Crosswell-Sy. Vous avez vu que ce que nous disons n'est pas très réjouissant. C'est parce que on est un peu comme des médecins. On est en train de faire un diagnostic par rapport à une maladie. Mais on ne peut pas commencer directement par le remède sans savoir de quoi nous parlons et sans savoir de quelle maladie nous parlons. Donc là, on authentifie la maladie, mais Frances Crosswell-Sy, qui était psychiatre, aimait évidemment son peuple. Elle est partie rejoindre les ancêtres il y a quelques semaines, à l'âge de 80 ans. Et effectivement, elle avait pensé à des solutions. Parce qu'on ne peut pas faire des constats aussi sévères sans proposer des solutions. Mais ça viendra au fur et à mesure du cours, bien évidemment. On peut passer... Oui, personne. J'ai une question. Monsieur Langlais, qu'est-ce qui est écrit? Ah oui, bien sûr. Alors, lire est plus important que regarder la télévision. Et c'est pas pour rien, vous avez vu dans l'image du flyer, ingénieusement conçu par le frère Sana et son présent, il s'est arrangé pour mettre entre un couple kamite d'hommes et un couple kamite un homme et une femme kamite qui sont en face l'un de l'autre, mais il y a plusieurs télévisions qui sont entre eux deux et ils se regardent sans se voir, et tout simplement parce que ce monde parallèle qui nous est proposé par la télévision nous empêche de nous voir et de nous parler et de nous écouter. Et donc c'est comme un peu un invité non souhaité qui est là tous les soirs et qui monopolise l'attention. Donc les gens sont ensemble, ils peuvent se parler, se toucher, se frôler, mais sans se voir. Et justement, quand on lit, par exemple, imaginons que c'est un livre, il est très facile de le poser à un moment. Et puis la démarche, elle est volontaire. On choisit le livre. C'est très difficile de choisir et de concevoir les programmes. Donc il y a une approche plus sensuelle avec le livre. Même si ça reste théorique, le papier a une odeur, l'encre a peut-être une odeur aussi. Le bruit que l'on fait quand on tourne les pages, on est au cœur de la nature finalement. Et c'est pas pour rien que dans la langue française, le mot culture désigne à la fois la culture du sol et la culture en général. La culture générale, voilà. Donc ce qu'elle dit peut sembler basique, mais c'est hyper important. Lire est plus important que regarder la télévision. Voilà, tout simplement. Bon, on peut passer à la suite. On a posé la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce que le mot kamite signifiait. Mais qu'est-ce qu'un couple kamite? Au fait, qu'est-ce qu'un couple kamite? On sait ce que veut dire être kamite, grâce au frère qui nous a proposé une définition tout à fait correcte. Maintenant, qu'est-ce qu'un couple kamite? Est-ce que c'est deux personnes? Est-ce que ça peut être plus de deux personnes?
C'est une ou plusieurs personnes. C'est une ou plusieurs personnes. Ouais. D'accord. Parce donc, que polygamie. C'est la polygamie. D'accord. En français, je crois. Tu veux dire deux ou plusieurs personnes. Deux ou plusieurs personnes. Ouais. Parce que c'est vrai que tout seul, c'est compliqué. Oui. C'est, oui. C'est compliqué. Après, ça dépend. Donc deux ou plusieurs personnes. Deux ou plusieurs personnes. Ouais. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette définition? Deux ou plusieurs personnes. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, non, je ne comprends pas. Tu peux te présenter ça? Je suis Akimélé de Colombe. Pardon? Akimélé de Colombe. Akimélé, d'accord. Akimélé. Akimélé. Pour moi, c'est juste deux personnes. Voilà, d'accord. Un père et une mère. Je t'ai rien fait. D'accord, donc il y a plusieurs options. La société Kamite est plus, beaucoup plus plurielle qu'on pourrait penser. Elle n'est pas monolithique, il y a plusieurs options apparemment. D'accord. On peut poursuivre? Oui. Alors qu'est-ce que le menticide? On l'a déjà abordé, on a pris de l'avance. Mais par contre. On sait ce qu'est le menticide, mais alors comment il se déploie? Qu'est-ce qui le rend efficace? Comment il se véhicule, le menticide? C'est-à-dire le travestissement de la réalité et le meurtre de l'esprit. C'est pour tuer quelqu'un, il faut avoir une arme. Il ne suffit pas d'avoir l'intention. Le menticide, c'est un peu le projet de détourner quelqu'un de ses ancêtres et de capter son esprit, de l'effacer. Ok, mais il faut des outils pour ça. Et d'après vous, quels sont ces outils qui permettent le menticide? Bon, peut-être qu'on vous a un peu aidé, mais bon. Ah, c'est vrai, tout est là. Allez-y. Je ne suis pas seul, moi, c'est. Ah, voilà. Oui. Darren Job-Nassoma. Donc, je pense que dans un premier temps, il y a notamment les religions dites révélées. Oui. Qui fonctionnent sur le patriarcat. Et non pas sur le matriarcat qui est ancestralement notre. Vision de l'existence, ce qui est déjà pas mal. Aujourd'hui, le féminisme aussi, tous les mouvements féministes qui sont véhiculés dans les médias et qui alimentent un conflit en fait entre l'homme et la femme, qui n'a pas lieu d'être quand on a conscience de notre antériorité ancestrale basée sur le matriarcat. Voilà. D'accord. Oui, alors les religions révélées, quelles sont-elles? C'est le christianisme et l'islam, hein, pour ne pas les citer. Bon, le judaïsme, oh, il a tout bon, lui. Oh. Non, c'est une question. Parce que, non, je dis ça parce que, hormis les falachas, mais il y a aussi des hébreux, kamites, entre guillemets, aux États-Unis. Donc, j'allais dire, de façon un peu trop rapide, peu d'entre nous sont adeptes du judaïsme. Quand vous dites hébreux, les hébreux et les israélites. Oui, comme c'est ça. Okay. Voilà. Et donc, les religions du livre, c'est les trois religions dites révélées, finalement. Judaïsme, christianisme, islam. Et c'est vrai que la malédiction de Cham, chapitre 9, verset 27 de la Genèse, « Maudit soit Canaan », c'est un héritage qu'on retrouve dans les trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam. Donc certains commentateurs ayant même jusqu'à dire que Cam devient noir du fait qu'il est maudit, et avant il n'était pas noir. Mais pourtant Cam, le mot Cam signifie noir. Donc, il avait un nom qui marquait le fait qu'il était noir avant même de devenir noir. C'est pour des contorsionnistes, hein, quand même. C'est comme dans Lévitique 22, 18. Ils disent qu'on ne peut pas rentrer dans les temples si on a un nez Camus. Mais qu'est-ce que Camus? Camus, ça veut dire nez plat. Qu'est-ce qu'un nez plat? Voilà. C'est où ça? C'est dans Lévitique 22, 18. Ah, bah voilà. Voilà. Lévitique, on va chercher. Donc, j'aime trop ça, parce qu'en ce moment, ils sont en train de me prendre la tête. Ouais, c'est tu viens de l'église, mais je suis venu avec des punchlines, ils vont dormir. Donc voilà les instruments en fait du menticide. Il n'y a pas de religion universelle. C'est une prétention parce que en fait ce qu'on appelle religion et notamment les religions révélées sont la déification, comme le dirait le sèche Polyphi, de l'expérience nationale d'un peuple. C'est-à-dire tout peuple a une expérience nationale. Les Arabes en ont eu, les Européens en ont eu, nous Africains nous en avons eu. Et c'est normal, c'est pas grave en soi, c'est tout à fait normal.
Mais maintenant, décider que son expérience nationale est sacrée et qu'elle est la seule à l'être, et l'imposer à d'autres, de venir voir des gens chez eux, de les massacrer, de les violer, et de leur dire, vous savez, vous nous ignoriez pendant des siècles, mais nous, nous étions au-delà des mers, et nous venons vous dire que notre expérience nationale est sacrée, et que vous êtes des racailles. Je sais, c'est difficile à comprendre, mais avec quelques coups de fouet, vous allez comprendre plus facilement, ça va solliciter un petit peu votre entendement. Et si vous-même, vous ne comprenez pas, vos enfants comprendront. Et si vos enfants ne comprennent pas, vos arrière-petits-enfants comprendront. Et vos arrière-petits-enfants auront peur de nous, et auront même peur de parler de nous, sans savoir pourquoi, parce que nous allons vous fouetter sur plusieurs générations. Donc si le travail n'est pas efficace tout de suite, il sera efficace dans 5 générations, et dans 5 générations, nous n'aurons même plus besoin d'être là pour faire le travail. C'est vous-même qui vous empêcherez de penser. Parce que le simple fait d'oser nous critiquer, parce que nous sommes des êtres humains, mais nous sortirons du champ de l'humanité, nous deviendrons seuls divins, et vous n'oserez même plus parler de nous. Sinon en bien. Et vous oublierez vous-même, et vous ne ferez qu'adorer nos ancêtres réels ou supposés. C'est ça le menticide. C'est ça le menticide. La télévision joue un rôle évidemment très important. Et bien sûr aussi. Alors, oui, frère Sana. Il y a ça, je voulais parler tout à l'heure. Ah, désolé. Oui, enfin, je pense que ça rejoignait ce que disait la sœur Darine. Il y avait aussi le fait qu'on a été forcé de suivre une éducation occidentale. Et le fait d'être appelé analphabète lorsqu'on ne parlait pas les langues de l'oppresseur. Et du coup, en fait. Oui, c'est vrai, ça. Et puis il y a un mauvais jeu de mots là-dessus, parce qu'on imagine toujours que les analphabètes sont bêtes. Parce que dans le mot analphabète, il y a bête, mais ça n'a rien à voir. Alors il y a un jeu un petit peu malsain, un piège qui nous est tendu souvent, c'est de nous dire le livre est mort. Arrêtez d'écrire des livres, le livre est mort, c'est fini, plus rien ne se produit, maintenant tout est image. Et puis il suffit d'aller faire un tour à la FNAC, ou de regarder la télé, pour voir surgir des émissions littéraires partout à la télé française. Et puis on nous présente des gens qui sont des génies. Il y a même des gens, des penseurs qui sont spécialistes de tout. Je ne citerai pas de nom. Mais je pense à un en particulier, qui serait spécialiste du bricolage, de philosophie, de mathématiques, d'économie, et même de jardinage. Et donc on va solliciter une personne qui sera spécialiste de tout, sur tous les sujets, il est aussi sexologue, moi, tant mieux pour lui. Donc c'est quand même impressionnant. Et ces gens écrivent livre sur livre. Et il y a des livres sur les chats, des livres sur tout. Et quand on va à la FNAC, on voit plein de... Alors un livre, c'est du papier avec de l'encre dessus. Alors effectivement, là, tout le monde peut écrire un livre. Donc, sur tous les sujets possibles, ça génère beaucoup d'argent. Et on nous dit à nous d'arrêter d'écrire des livres, parce que le livre est mort. Et donc, ça aussi, c'est de la... Et on confond la gonflette, avec... Souvent, c'est de la gonflette. Avec le savoir, véritablement. Le savoir, c'est la recherche de la vérité, la recherche de la vérité scientifique, historique, la recherche de la philosophie, de l'harmonie. Le savoir, c'est pas produire des tonnes et des tonnes de livres où on parle de tout et n'importe quoi, des cailloux, de tout et n'importe quoi, des insectes. Voilà. Donc on peut passer à la suite. Le couple Kamit peut-il vaincre les obstacles qui se trouvent sur sa route? Bon, est-ce que c'est bien parti ou mal parti pour ces deux? Je ne sais pas. Ça a l'air assez chaud. Est-ce que vous connaissez cette image? Est-ce qu'elle vous rappelle, je ne sais pas, un film ou... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est À la poursuite du bonheur. Avec Will Smith et tiré d'une histoire vraie.
Donc, ben justement, un couple qui habite, c'est aussi une façon de poursuivre le bonheur, hein, finalement. Et alors, d'après vous, comme ça, sans réfléchir, que répondriez-vous à cette question? Et est-ce que le couple Camille peut vaincre les obstacles qui se trouvent sur sa route? Est-ce qu'il pas forcément tout de suite, pas forcément demain, mais est-ce que les obstacles dont nous avons parlé peuvent être franchis? Oui. Tu peux te présenter, ma sœur? C'est la règle, hein, mais comme tu es arrivé en son star, juste le nom, hein, c'est tout. Venise. Pardon ? Venise. D'accord. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est des obstacles, il suffit d'avoir un peu de volonté et d'identifier le problème. D'accord. Par la volonté, identifier le problème, c'est ce qu'on fait tout de suite. Et la volonté viendra ensuite. Mais à partir du moment où on identifie les symptômes, la maladie, après c'est plus facile d'agir. C'est clair. Merci. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui, moi je ne m'étais pas présentée, je m'appelle Koizy. Koizy, d'accord. Du coup, pour moi, en fait, un couple, pour vaincre les obstacles, pour ça, il faudrait qu'il soit déjà soudé. Qui regarde dans la même direction, et qu'il ait une base spirituelle solide. Il faut qu'il ait une connaissance de son environnement pour pouvoir justement éviter les obstacles. Et qu'appelles-tu une base spirituelle solide, sœur Koizy? Avoir fait ensemble un retour à la spiritualité ancestrale. Mm-hmm. Parce que c'est ce qui nous guide, en fait. C'est ce qu'il faut. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Pour pouvoir avancer dans la vie et dans ce monde. Et tu nous as espionné ou comment on préparait le sujet? Parce qu'on est déjà sur la suite là. Donc tu. Non, c'est parce que ça m'intéresse. C'est inquiétant ça. Non, je blague, hein, je blague évidemment. Oui, 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 c'est des choses qui sont très, très importantes. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle vient de dire. Moi, je suis à tout main. Pardon? À tout main. À tout main, oui. Je suis d'accord avec elle. Enfin, pour moi, ça, c'est la seconde étape. Mais je pense que ce n'est pas un obstacle qui est, par exemple, dans un couple, quelqu'un qui émite et quelqu'un qui ne le soit pas ou pas encore. Voilà. Oui. Je pense que ce n'est pas un obstacle à la relation, en fait. Mais ça demande beaucoup de diplomatie, alors. Quand il y en a un qui émite et l'autre, bah, peut-être qui est afro-descendant aussi, mais qui est musulman ou chrétien. Ça demande beaucoup de doigté, beaucoup de sagesse, hein, pour que la relation se passe bien. Oui, mais à partir du moment où... Enfin, comment expliquer ça? Je veux dire, à partir du moment où on se retrouve sur certaines valeurs, sur... Le respect. Voilà, le respect. L'amour, déjà, c'est le principal. Oui. Voilà. Je pense que, voilà, c'est... Enfin, je veux dire, c'est une seconde étape, en fait, de devenir kémite. Enfin, moi, je parle par rapport à moi, en fait. Hein, bien sûr. Et je pense que, voilà, c'est pas un obstacle pour moi d'avoir deux personnes qui ne sont pas au même niveau, qui ne sont pas au même endroit, en fait, à un moment donné. Mais peut-être que vous dites plus ou moins la même chose, qu'il y a... L'idéal qui peut être atteint, pas forcément demain, pas forcément la semaine prochaine, mais à terme, et la relation telle que nous la vivons aujourd'hui avec des données qu'on ne peut pas changer, c'est-à-dire une différence de paradigme entre les deux membres du couple, c'est-à-dire les deux membres du couple sont afro-descendants, sont kamites, mais ils n'ont pas forcément la même vision spirituelle. Mais ils tiennent l'un à l'autre et il y a une forme d'harmonie et de respect mutuel. S'il y a ça, c'est déjà beaucoup. On peut avancer pas à pas et comme le dit souvent le chénoutier Aménie, ici présent, la démarche de conscientisation et d'aller vers la conscience, c'est une démarche personnelle. On ne force personne. Donc, je pense que vous dites plus ou moins la même chose, mais vous êtes à des stades de l'évolution d'une vie différente. Enfin, non pas en tant que personne, mais par rapport à l'analyse, vous analysez des situations à des époques, à des moments différents, mais avec un objectif qui est le même. Est-ce que j'ai bien interprété ou c'est pas ça? Oui, le but étant aussi de... Oui, après, oui. Voilà. Voilà. Donc, voilà. 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 Donc c'est le début, ça. Voilà. Voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il est important d'avoir cette base-là dès le départ, parce qu'il y a déjà tellement de choses à accomplir, partant du principe qu'on est en guerre,
Donc en fait, il faut déjà, dès le début, avoir une base solide. Parce que justement, tout le long du chemin, on va avoir des obstacles. Les gens savent comment nous diviser, ils nous étudient depuis très longtemps. Donc autant partir sur une base solide pour ne pas avoir à justement subir ça. Quoi. Le moins possible en tout cas. Oui, le chimiti, le palais, après le chimiti. Non, si tout le monde sait le chimiti. C'était juste pour dire qu'effectivement, donc, si on a la chance de pouvoir trouver quelqu'un qui partage ses bases solides, pourquoi s'en priver, ça c'est sûr. Après, bon, la réalité du terrain fait que justement, la communauté consciente, entre guillemets, est très réduite. Donc de trouver un partenaire qui partage les idées, c'est parfois très difficile. Et donc c'est vrai qu'on a plus souvent le cas de figure où on rencontre quelqu'un qui ne partage pas forcément nos idées et on essaye de faire avec, et c'est vrai que c'est très difficile. Et tu as tout à fait raison quand tu dis qu'on est en guerre, etc., et que c'est un chemin en périlleux, on va dire. Donc, mais bon, c'est bien d'avoir toujours les deux cas de figure en tête, mais toujours de privilégier, bien sûr, les rencontres parmi la communauté consciente, ça c'est vrai. Ça. Mais c'était juste pour donner un aperçu. Poissy, je te présente parce que tout le monde te connaît pas. Ah oui, Poissy, je suis Mangdaï. Voilà. Pour aborder le même sens que Shanti, effectivement, c'est l'idéal. L'idéal serait que déjà, qu'on soit déjà afrocentré, qu'on ait une base, plus ou moins, une base qui nous permette, n'est-ce pas, avant d'être en couple, c'est l'idéal. Là, comme ça, on fait son choix par rapport à son parent, à sa manière de voir. Ouais, parce qu'on sait effectivement que là, le défi de l'éducation, ce n'est pas facile. Voilà. Mais je pense que c'est un défi qui est au quotidien. Hein. De la même manière qu'aujourd'hui, tu peux être en couple avec une femme avec un homme, plus ou moins le couple kamite, mais l'entourage, tout ça, c'est des défis. Donc c'est pareil, lorsque toi tu penses être à plus ou moins à un certain niveau, n'est-ce pas, du paradis, et puis tu rencontres ton partenaire, mais ta partenaire qui n'est pas à ce niveau, je pense que c'est de bonne voie aussi de plus ou moins convaincre, n'est-ce pas, c'est un peu cette démarche-là, voilà. Parce que je pense aussi que la base, le fondement, certes, c'est l'amour. On dit souvent aussi que l'amour, voilà, transcende, voilà. C'est vrai que c'est pas facile quand c'est pas le même paradis, mais je pense que l'amour, voilà, peut transcender, quoi, et ça doit être un combat au quotidien. Un combat au quotidien. Je me présente, Jean-Hugues. Alors effectivement, dans le contexte d'un couple avec une personne de conviction kamite et une autre, avec des convictions accrochées par rapport aux religions relevées. Effectivement, l'amour, c'est important, mais le respect aussi, le respect des convictions de l'autre. Parce que, le fait de convaincre l'autre de ses convictions, de le convaincre que le chemin, en fait, qu'on est en train de parcourir, que son propre paradigme est le bon, se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que si je prends le cas d'un couple avec une personne kamite et une autre chrétienne, la personne chrétienne va essayer également de convaincre que son paradigme est le bon. Donc il y aura, il y aura quelques frictions quand même, puisque chaque personne voudra convaincre l'autre. Tu veux dire que c'est inévitable ? C'est inévitable. C'est dissension ? C'est inévitable. Parce que là, on parle de nous par rapport à une personne qu'on veut convaincre. Mais l'autre personne aussi voudra convaincre. On veut la convaincre qu'on aimerait qu'un jour elle soit convaincue en faisant aussi une partie du chemin. Est-ce qu'on peut faire toute la partie, tout le chemin à sa place ? Non, on ne peut pas forcer. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le respect. On connaît les convictions d'une personne, même si on ne la change pas,
Mais il faut la respecter. En fait, il faut la prendre telle qu'on aime, telle qu'on l'a découvert. Et puis voilà. Parce que si on met des objectifs assez assez loin, on risque d'être déçu dans ce genre de configuration. Oui, frère Barako. Oui, frère Barako. Juste pour ajouter un petit peu, je pense que je rentre dans ce que tu as dit. Mais là, je trouve que, effectivement, ce qu'il dit réel, mais en plus de ça, c'est vrai que pas voir juste pour chaque personne, c'est vrai qu'après, le couple est quand même. A priori, hein, parce qu'on a une descendance, des enfants. Oui. Et finalement, dans l'éducation des enfants, si on prend au niveau spirituel, c'est vrai que ça. Ça peut et ça va nécessairement poser des problèmes, notamment parce que sur le plan spirituel, au niveau des religions ou quoi que ce soit, on a souvent une du salut de l'âme, de la personne. Oui, cool. Donc, un peu, on va avoir cette envie de pouvoir éduquer son enfant selon telle ou telle croyance qu'on paye ce terme-là. Et à partir de là, les questions seront non seulement inévitables, mais en plus, elles seront. Nécessairement destructrice en fait, parce que les enfants finalement ils sont au milieu de tout ça. Et il faudra de toute façon faire un choix. Il y aura en tout cas très rarement de statu quo. Donc, moi je pense que oui, effectivement, pour l'amour et tout, c'est vrai qu'en théorie ça marche bien. En pratique, c'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui, c'est d'autant qu'effectivement, sur le terrain, il n'y a pas juste le fait de croire ou de ne pas croire, mais il y a tout ce qui va autour.